Voilà. Ouais, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais? Bah, vu que c'est bientôt le confinement, enfin, la fin du confinement plutôt, ce sera mieux ouais, de dire ça comme ça parce que on est déjà en confinement. J'ai décidé de garder 1 mètre de distance avec vous. Donc, c'est-à-dire que. Ah, là, je suis trop proche, tu vois. Là, je suis bien. Là, je suis à 1 mètre de distance. Ah, putain, mais. Mais oui, putain. Mais oui! Je suis en vidéo! Pas besoin d'avoir 1 mètre de distance! Je peux même me coller à eux si je veux, regarde. Voilà, ton bras pas plus bas. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Brawl Stars, enfin pas exactement. Il y a plus d'un an j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'intitulait Idée de skin Brawl Stars. Et cette vidéo je l'ai publiée le 18 janvier 2019. Comment vous dire que il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et là avec le confinement je me suis dit on va créer du contenu et on va ressortir des vieilles idées. Du chapeau. Enfin... J'ai pas de chapeau, mais voilà, t'as compris l'expression. C'est pour cela que j'ai fait mes petites recherches sur internet, et puis j'ai fait mes recherches de skins, et bien sûr, je suis tombé sur des pépites, voilà. Donc les potes, avant que la vidéo commence, surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, je sais que vous pouvez m'exploser, on vise. Allez, on va sortir un objectif là, parce que j'en ai marre là, d'avoir des pouces bleus, 15, 20, 30, 40, 20, 30, 40... Objectif 50 pouces bleus. Je compte sur vous, j'aime pas demander des likes, mais je compte sur vous pour avoir 50 pouces bleus sous cette vidéo. 50 pouces bleus, c'est rien. C'est rien, je compte sur toi. Ouais, je compte sur toi. Donc les potes, on est parti avec le premier skin et c'est un Nita Crocodile. Là on commence avec du lourd, hein. Je vous le dis tout de suite. Là on commence avec du high level. Je suis tombé dessus, j'ai fait. Ah, il faut qu'il sorte. Non seulement c'est l'esprit Brawl Stars, non seulement voilà, ils ont dû 100% reprendre la Nita de l'affiche originale avec l'ours, mais franchement, il cartonne. Donc franchement, je le veux dans Brawl Stars. Il a une colorie de dingue. Le crocodile, il est ouf. Enfin, je sais pas pour moi, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Il y a trop de trucs qui font que il est what the fuck quoi. Franchement, je le trouve bien, bien stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, moi, j'ai décidé, après cette vidéo, de sortir un petit concept. C'est-à-dire que je donne une note sur 5. Et pour celui-ci, je lui donne une note, attention, de 5 sur 5. Ah ouais, 5 étoiles sur 5, c'est, il n'y a pas d'autre mot. Si quelqu'un veut me dire 2, on va directement sur le deuxième skin. Et là, encore une fois, on tape du high level, du level soupaillot. Ouais, cette fois-ci, regardez, j'ai pas transpiré. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, on m'a. Voilà, on m'a. Je me suis fait tacler, quoi. Donc, du coup, maintenant, avant que je fasse une vidéo, je vérifie. Non, plus sérieusement, revenons sur le skin de Léon. Plongeur du coup avec un casque de plongée vintage, on va appeler ça comme ça. Le petit poisson sur le buste, celui-là aussi hein, pour moi il a tout pour être dans le jeu. Après je vois pas pourquoi il serait détesté. Après qu'est-ce que Léon pourrait lancer? Des poissons? Voilà quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis une idée de ce qu'ils pouvaient lancer. Pas mal d'éléments qui font que waouh, je le veux dans Brawl Stars, tu vois, on va pas se cacher. Moi je le trouve sympa. Donc celui-ci, je lui donne une note de 405. Oui, 405 parce que comme je vous l'ai dit, bah voilà, on peut pas tout voir et on peut le voir dans le jeu, mais je trouve qu'il manque des petits éléments, tu vois. Sur du Monsieur M, alias Monsieur M, Steward ou pilote d'avion. Moi j'ai un plus pilote d'avion du coup via sa casquette. Mais quand je suis tombé dessus, je vous cache pas que c'était un coup de cœur. Un coup de cœur dans le sens où. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Voilà. C'est Monsieur M, vachement bien revu et vachement bien pensé. Et celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je lui donne la note de 5 sur 5. Parce que tout le monde va savoir ce que c'est. Il a une bonne colorimétrie. Monsieur M n'a pas changé. Son costume a changé. Ça, c'est bien. Par contre, la caisse, je suis un peu déçu parce qu'il y a la caisse, mais il aurait peut-être dû faire les petits spawners, les petits trucs qui partent de Monsieur M. Il aurait peut-être dû les faire. Peut-être qu'il y aurait peut-être eu un truc derrière assez sympa, genre des petits avions, je sais pas, une petite querelle dans le genre, tu vois. On passe maintenant sur un skin de Colt. Alors, c'est mitigé. C'est mitigé parce que c'est une référence à un film, Wolverine. Ou X-Men, pour ceux qui préfèrent. J'ai un petit blocage, voilà. C'est Colt, on le reconnaît à ses yeux et tout. Par contre, qu'est-ce qui tient?
Après, je veux bien, voilà, il va peut-être tirer ses griffes, mais sauf que j'ai jamais vu Wolverine lancer ses griffes, tu vois. Sauf si c'était un méchant, mais voilà, j'avais vu Wolverine lancer ses griffes. Donc c'est pour ça qu'il y a une incompréhension entre le personnage dans lequel c'est inspiré et le personnage in-game qui est Colt. Colorimétriquement parlant, il est bien. Voilà, et encore du marron, je sais pas, du marron, je trouve ça pas ouf dans un jeu type Brawlstar. Et je trouve ça une couleur trop sombre, trop neutre, tu vois, il faut vraiment une couleur qui peps. Et bon, voilà, là c'est dans le personnage encore une fois. Là pour moi c'était un hors-série, parce que pour moi il fait pas partie des skins qui doivent sortir. Mais si demain il y a un partenariat entre Supercell et une compagnie de films comme très bien fait d'autres jeux comme Fortnite, celui-là je le vois bien. Après, à revoir avec les griffes ce qu'il peut tirer. Mais bon, et celui-ci, bah, même s'il peut pas sortir, c'est bête à dire, mais je lui donne la note de 4 sur 5. Voilà, ni plus ni moins, 4 sur 5. Ouais. Passons à l'un de mes brawlers préférés, qui est Karl. Ce skin, Karl en scooter, je le veux. Ah oui, je le veux, parce que moi j'ai toute la panoplie des skins de Karl. Là, moi j'ai tous ceux de Karl. Et celui-ci, bien malgré que son casque, ils l'ont pas trop changé, ils ont gardé la couleur jaune, il a encore son petit nœud papillon. Ils ont juste changé son véhicule, ils lui ont rajouté un numéro 1, dans la main ils lui ont mis un... Ah, j'ai oublié le truc de mécano là. Enfin, ou même pas le truc de mécano, mais comment ça s'appelle ça déjà? Une clé à molette, non? Ouais, je sais plus. Bref, en tout cas ils lui ont mis son truc dans sa main. C'est peut-être dommage, ils auraient peut-être dû changer le nœud de papillon, ils auraient peut-être dû changer le casque, tu vois, faire un casque plus motard, je sais pas. Le scooter, bon, voilà, il a l'aspect bateau, c'est dommage. Dommage, il aurait peut-être dû avoir un aspect plus scooter, ça aurait peut-être été beaucoup plus stylé, tu vois. Ou scooter d'enfant, vous voyez, les jouets d'enfant, bah un peu dans le même esprit, ils ont gardé vraiment l'esprit bateau avec les planches de bois. C'est un peu dommage, mais bon, il est quand même stylé, mais je lui donne la note de 4 sur 5, voire même 3. Allez, 3,5. 3,5 sur 5. Parce que pour moi, voilà, ils ont trouvé une bonne idée, mais ils l'ont pas approfondi, ils ont gardé vraiment des couleurs qui sont déjà sur le card principal. Et ça, les gens, quand ils vont voir ça, ils vont se dire, pourquoi je vais prendre ce skin alors qu'il y a juste deux roues et un guidon et une lumière devant, tu vois. Voilà. Il n'y a pas de grosse différence qui fait que ce skin, en jeu, on va voir la différence. Tout en sachant que Karl, en game, tu vois beaucoup plus son casque que autre chose. Hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Remontons un peu de level parce qu'on était redescendu là. Et on passe maintenant à 8 bits, alias Arcade. La version Pac-Man. Et celui-ci, tu retires le Pac-Man, celui-ci, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Il est oufissime. Il est voire même mieux que le principal. Je sais pas pourquoi, il est voire même mieux que le principal. Les couleurs sont pétantes. À l'intérieur, on dirait vraiment une borne de jeu arcade avec le relief en 3D. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, quand je l'ai vu, c'était aussi un coup de cœur. Et je me suis dit, dès que je fais une vidéo, je le présente. Bien malgré qu'ils ont gardé voilà, les bras bleus et le conduit qui alimente le pistolet bleu, peut-être qu'ils ont peut-être dû faire une couleur plus Pac-Man. Mais si je me trompe pas, les Pac-Man, il y a différentes couleurs. Donc peut-être faire les bras rouges. Ok, il y a déjà les baskets rouges. À voir, à travailler. Mais voilà, celui-ci, tu retires l'ambiance Pac-Man, parce qu'encore une fois, ça serait un partenariat. Mais... Donc celui-ci, je lui donne la note de... 5 sur 4. Ouais, j'ai réfléchi à une blague, j'ai dit 5 sur 4. Plus sérieusement, 4 sur 5. Ouais, ni plus ni moins. 4 sur 5, parce que comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait soit un partenariat, et s'il n'y a pas de partenariat, il faudra peut-être voir sans les Pac-Man si la couleur jaune passe. Mais en tout cas, celui-ci, je le trouve beau. Donc là, on passe sur un autre skin, celui de Léon. Et là, ça serait un peu dans le principe de Mortis, avec son chapeau et sans son chapeau. Pourquoi ne pas l'avoir fait sur Léon? Léon avec capuche et Léon sans capuche. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Après, là, l'idée, franchement... Voilà, ils lui ont créé une chevelure. Voilà, on va faire un mot simple. Hein. et je trouve que ça va vraiment dans le personnage de Léon. Alors, là, dans la vidéo, vous n'allez pas voir la version où il n'a pas la sucette. Je vois pas de réelle différence. Je préfère prendre ça avec la sucette parce que du coup, c'est vraiment Léon. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, celui-ci, je lui donne la note de 5 sur 5. Il faut qu'il sorte et il faut qu'ils en fassent cette version sans capuche. Bon, pourquoi, mais il faut qu'il la fasse. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur cette bonne image, les potes. On va s'arrêter sur cette bonne image. Donc, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me bombarder les pouces bleus. Donnez-moi en commentaire le meilleur skin que vous préférez. Et bien sûr, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc, faites votre choix. Ne vous basez pas sur moi. Pensez.
Limite, bah non, bah non, c'est la fin de la vidéo, vous avez forcément regardé la vidéo avec le son. Et vous direz au pire, regardez la vidéo sans le son et après faites votre avis. Allez. Encore une fois, je pense qu'à la fin. Donc voilà les potes, sur ce, on se donne rendez-vous très 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 vite pour de nouvelles vidéos sur Brawl Stars et bien sur d'autres jeux mobiles. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas pourquoi j'ai ça. C'était Psytrail. Bye bye.